Bien bonsoir les gens, c'est Wooly. On se retrouve pour un tout nouvel épisode de Ratchet & Clank Opération Destruction. Dans l'épisode précédent, on s'était rendu dans la station Apogée pour récupérer des informations sur le secret des Lombax. Sauf que finalement on a appris que ça a été volé par des pirates de l'espace et on va devoir se rendre sur la planète Ardolis. C'est ça ? Ardolis, oui. Pour récupérer ça, il y a la fille de Apogée qui est partie, donc on va devoir la rejoindre. Alors, planète Ardolis, on dirait que Captain Slag, le père de l'espace, a son repère caché quelque part dans les fjords Irkolsul de la planète Ardolis. Même si aucun explorateur n'est jamais revenu vivant de la cachette, son emplacement a pu être à peu près déterminé grâce à un signal radio émis depuis la planète. Eh bien, nous sommes partis. Alors, qu'est-ce que c'est l'arme disponible? Disco zigzag, nuée de nano. Nuée de nano, c'est pas ouf, j'aime pas trop perso. Donc, disco zigzag, ça me tente très bien. Voilà. On prend des munitions, on va améliorer déjà le disco zigzag. Avec plus de dégâts. Ah, ça coûte cher. Bon, on va attendre un petit peu. Le disco zigzag est une arme assez réputée dans les Ratchet & Clank aussi. Et elle est pas mal. Au début elle est un peu nulle, mais quand elle est améliorée, quand on a au max, elle est très très forte. Moi je l'aime bien cette arme. Bon allez, c'est là que ça va être drôle. Cette planète est vachement sympa. Moi j'aimais bien y aller. Et aussi vous voyez qu'il y a la gigue des pirates qui est vraiment marrante à faire. En plus, c'est efficace parce que ça peut toucher de loin et beaucoup d'ennemis à la fois. Tiens, prends-toi ça. Et on va se refaire un plein de gadgets. Voilà. J'ai l'impression d'avoir des micro-lags ici, c'est très bizarre. Attention à pas tomber. Ah mince, le jeu au laser. J'ai horreur de cette mécanique. Heureusement qu'ils l'ont pas gardé parce que franchement c'était ma hantise. Ah ouais, mais il est ouf celui-là. Ah, c'est bon, ça passe. Mais ouais, les Sly Cooper, c'est vraiment une licence. Jack and Daxter, on me le recommande souvent, mais je sais pas trop. Ça a l'air de ressembler à Ratchet & Clank niveau gameplay. Mais je connais pas du tout. Et Sly Cooper, par contre, ça me... J'aime bien le côté un peu filtration. Et puis même le perso, je l'aime bien, il est un peu... Il me fait penser un peu à un Ratchet, mais un peu plus comique. Genre, il fait des blagues et tout, il s'en fout de tout. Moi, j'aime bien ce genre de perso. Je crois qu'il y en a un sur PS3, il est un peu dur à trouver, mais je peux essayer de le choper, de le faire. Oula, attention. Et là, on saute. Et mon pic-à-pic passe niveau 2. Enfin. Parce que ça, faut l'améliorer à fond parce que c'est vachement fort. Bah, qu'est-ce qu'il fait lui? Meurs. C'est pas mal pour déblayer toutes ces chauves-souris là.
du raritanium. Oula, attention. C'est moi ou c'est un léviathan là-bas? On a une sorte de léviathan requin. Oh merde, le con! On n'a rien vu. On n'avait absolument rien vu. Non, mais j'en suis nul. Oh là là, je fais nimp. C'est bon. On a arrêté de faire les bêtises. On n'a rien vu. Hein. Je n'ai pas fait de fail honteux deux fois de suite. Hein. Vous n'avez rien vu. Le montage a tout coupé. Même les gens du chat, ils n'ont rien vu. N'est-ce pas, les gens du chat? Oula. C'est bon, c'est passé. Oh, mais ça apporte pas mal de raritanium de battre des pirates comme ça avec les monstres plasma. Hop. Ça se passe pas trop mal. Le jeu au laser, il l'adorait hein, cette mécanique, parce que pour le faire spammer autant de fois. Heureusement que je le maîtrise mieux que quand j'avais 13 ans. Oh, raté. Allez. Ça passe. Allez, on y va. On va activer le booster, évidemment. Alors, on balance tout. Il lance tornade. Je sais pas où je l'ai lancé, ma tornade. Elle est où? Voilà. On va activer les disques. Il y en a encore un là-bas. Et bah voilà. Oh. Allez, on déblaye tout ça. Lui là-bas, il va mourir. Ou pas, je sais pas. Pour l'instant non, on l'épargne. On est gentil. Par contre, est-ce qu'on peut pas aller là-haut? Parce que je suis sûr qu'il y a des boulons en or ou un truc intéressant à récupérer. Oh, la petite musique de pirate. Faut que je monte le son dans mon casque parce que j'entends pas toute la musique. Il y a un petit Roland de Pierre des Caraïbes là avec ses OST. Moi j'ai eu le seum parce que j'étais à la fin du jeu et la matière a crash. Aïe 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 aïe. Je n'ai pas connu ça, mais j'ai connu un truc similaire qui m'a fait perdre une bonne partie de sauvegarde. Du coup j'avais un peu le seum.
un accès là-haut, j'ai l'impression. Casse-toi! Fais attention, Ratchet. Cet ennemi est électrifié. Il faut... qu'on garde nos distances. C'est bon, c'est géré. Ah mince, ça touche pas ici. Allez, on l'a presque rejoint. J'ai plus le nom de la fille de Apogée. C'était quoi déjà son nom? J'ai vraiment une mémoire de merde. Ah, ça sent le boss, ça. L'artefact ! Mais qu'est-ce que c'est ? Clank, vite ! Alors que c'est tout en paix, Pirati ne dort jamais ! C'est quoi cette drôle d'odeur? Ces huîtres au piment, je crois que j'arrive pas à les digérer comme il faut. Non, il y a une autre odeur bien plus écœurante. Celle-là, je peux te dire que je l'ai pas reniflée depuis au moins 600 lunes. Hein? Des chaussettes propres? Lombax! Rameute les autres, petite Lourier. Ce soir, nos ennemis vont mordre la poussière. Fais-en de la chair à canon! Bien, capitaine! À l'abordage! Ah! Mille tonnerres d'Artolis! Ok. Vas-y, Ratchet, j'ai l'artefact. Croc et Zephyr vont poser. Attends! Près de la tour du crâne. Il y a une boutique. Je t'y retrouve. Ah ouais, j'adore cette phase. Oula, attention. Prenez ça! Oh mince, je crois que j'ai perdu des boulons. Parce que je crois que la tornade a pris des caisses et les a portées dans le vide. Tiens, il n'y a pas des petits boulons noirs qui se cachent ici? J'ai pas l'impression. Bon, on va continuer. Hop. Il a volé le capitaine. Allez, mange. Hop. Non, ça veut pas passer, je suis trop petit. C'est bon. Hop là, un petit monstre plasma. Et on sort le lanceur de disque. On peut l'améliorer, ça. Et ça s'améliore très très vite s'il y a plein d'ennemis comme ça. Et puis c'est une bonne arme, moi je l'aime bien. Ah! Allez, combo store évolue au niveau 4. Allez, commence à être bien puissant. Je pense qu'au prochain niveau, je crois qu'il change de forme. Et ça devient une très bonne arme. Oh là, ça fait du monde là. Allez, c'est l'heure de danser. Et de nous donner de la vie aussi.
Ah mince! Je te mets de l'ascenseur. C'est bon, il redescend. Et on remonte. On se heal un petit peu. Ça bouge bien ici. Visiblement, c'est pas encore à ce niveau-là qu'il y a la gigue. Et on monte sur le bateau. Oh là, je l'ai pas vu. Tiens, au cas où, on prépare le coup. Alors, juste après Ratchet & Clank, on va faire un let's play sur Naruto Storm 4, normalement. Terminer le marathon Naruto de 2022. Et puis voilà. Parce que je sais que beaucoup de gens attendent. Donc, on va terminer ce petit marathon et puis après on fera d'autres jeux, d'autres licences, mais je sais pas encore trop quoi. Alors qu'on arrivera peut-être à Pokémon Écarlate vu qu'on sera quasiment en novembre. Hop, et on va lancer les disques et on va le terminer. C'est bon, on n'en parle plus. On peut avancer. Ouh, ça me fait plaisir. Petit Raytanium comme ça. Là on a de quoi bien améliorer nos armes. Peut-être maxer quelques-unes même. Je sais ce que je dis, il faut juste lui mettre de nouvelles batteries. Oh, qu'est-ce que tu connais toi, la technologie Lombax? Ma maman était à moitié Lombax. Ouais, quand j'étais petit minot, elle me faisait faire ses bidules avec du papier mâché. Il s'avère que je suis un spécialiste reconnu en histoire Lombax. Et cet engin est un émetteur de rayons laser zombie capable de pulvériser toute vie dans la galaxie. Mais pourquoi tu veux lui mettre de nouvelles batteries alors, espèce d'imbécile? Les gars, donnez-moi 2 secondes pour réfléchir. Tu t'en sors? Ok, l'intello, puisque t'es si malin. Le rayon laser zombie! Ça ressemble à une carte. Attends un peu. C'est Raikan 5! C'est sûrement là que le secret est caché! J'enverrai les coordonnées à votre vaisseau. Rejoignez-nous dès que possible! Coordonnées obtenues pour Raikan 5. Ah ouais, mais. Ça fait un peu tôt, non? On a. C'est aussi rapide que ça à faire. Il me semblait que cette planète est beaucoup plus grande. Oh, il y a un chemin là. Je t'ai vu le chemin. Tu dois cacher un boulot en or, non? Même pas. Ok, bah pourquoi? Pourquoi il y a un chemin comme ça? Trop bizarre. Trop bizarre. Bah, je peux pas m'arrêter là, donc on va avancer. Peut-être qu'il y aura un petit truc à faire avant d'aller à Raikan 5. Allez. J'aimais tellement ce jeu quand j'étais petit. Ah mais franchement c'est vraiment une très très bonne licence. Moi c'est une de mes licences préférées dans tous les jeux vidéo confondus. Hein. Il doit être dans mon top 5 de mes jeux préférés celui-là. Alors Raikan 5. La plupart des métaux servant à la conception des armures et des armes de pointe en vente dans la galaxie proviennent des raffineries de lave de Raikan 5. La planète présente également des preuves évidentes d'une présence Lombax passée et a pour cette raison attiré l'attention de l'empereur Takion. Et bah écoutez, c'est parti.
Je m'en doutais. Il y a une phase de vaisseau. Clank, grimpe dans cette tourelle. Arrière, bande de sales crapules. C'est moi, le Capitaine Slag, fléau de la galaxie et deuxième au concours de cuisine de Suzy. Allez, on avance. Ah, ça va être chaud. Celui-là, je crois que c'est quand même beaucoup plus dur. Ah, je me fais défoncer. Ce niveau-là est beaucoup plus dur que le premier qu'on a eu en vaisseau. J'arrive pas à toucher. Ah, on n'a pas de regard en plus, c'est le pire. On est super cher. Et j'ai hâte qu'on puisse retourner en avant parce que là je ne vois que dalle. Oh! Raté. C'est bon. On passe aux phases de gameplay drôle. Allez, mange ça. Dégâts parce que j'ai quand même pris bien cher déjà et jusqu'à temps que je trouve un heal on fait gaffe. Mais ici j'ai l'impression qu'il va être beaucoup plus radin en anneau de soins. Oh, du raritanium. Oh, c'est bon, je suis soigné. Par contre c'est très beau hein, les décors, parce que je le dis pas parce que je suis me concentré au combat, mais regardez les deux gros soleils, les deux grosses étoiles là sont magnifiques. Après en même temps j'aime beaucoup le côté spatial, j'aime beaucoup l'espace déjà, les planètes tout, donc quand je vois des décors comme ça me fait waouh, trop joli, j'adore. Ah lui il est chiant. C'est bon, on les détruit. Aïe aïe aïe. Ah c'est assez chaud ce niveau. Je me rappelle j'avais galéré à cette phase là avec les panneaux. Aïe 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 aïe. Allez, on s'en sort. Allez, mange-toi ça. C'est bon, je l'ai détruit. Ok, un boss et après je pense qu'on a fini avec ça. Ça va, on a plutôt bien géré je trouve. On n'a pas pris trop de dégâts. On a essayé de se soigner quand il fallait. Allez, vous petit rocket. J'ai le mouvement pour esquiver. Aïe aïe aïe. Oula, concentre-toi Willy, tu commences à prendre beaucoup de dégâts pour pas grand chose.
Hop là, allons zigzag. Allez, il est midlife. Ça c'est chaud par contre. Ça c'est ce qui m'a valu beaucoup de morts quand à l'époque. Parce qu'en vrai le vaisseau est très sensible quand il se déplace. C'est très dur de rentrer pile dans le cercle. Allez, faut pas que je meure avant lui. Allez, ça passe. Encore quelques coups. Et c'est bon, il détruit. Mince, j'ai pas vu. J'étais AFK pendant 2 secondes, j'ai vu une notification sur mon téléphone, ça m'a aspiré mon attention. Oh, j'ai pris super cher. Mais j'étais pas prêt moi pour faire du terrain comme ça. Attendez. Aïe 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 aïe. Je suis d'accord avec toi, l'espace est stylé. Ah, t'as vu ça? Et salut Vincent, désolé, hein, je t'ai pas dit bonjour parce que j'étais un peu à fond dans le jeu. Comment ça commence un peu fort, moi j'étais pas prêt pour ça. Ah, il me faut du soin. Ouais, bah, c'est bien gentil, mais laisse-moi survivre un peu. Ok. Bah moi j'aimerais bien m'arrêter là en fait. Bon, je pense que dès que ce sera calmé, je pourrais faire une pause. Allez, prenez ça. Mince, je suis mort. Mais écoutez, on va faire une pause. Hop. Si je peux. Hop, voilà, on fait une coupure. Je verrai ça pour le prochain épisode parce que je ne m'attendais pas à partir aussi loin. Moi, je voulais juste m'arrêter après le coup du vaisseau. Je vais me faire défoncer sinon. Donc, je vais vous dire merci d'avoir regardé la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve dans le prochain épisode pour cette guerre sur la planète. Ça va être compliqué. Mais je pense qu'on s'en sortira mieux que maintenant. Et sur ce, je vous dis à très bientôt.